Sans maîtriser le temps, personne ne peut déterminer la nature de sa destinée dans sa vie. Donc la seule façon dont vous pouvez prendre en main le temps est de maîtriser vos énergies, la façon dont elles fonctionnent. Si vous fonctionnez comme un moteur à vapeur, c'est très long. Si vous fonctionnez comme un moteur à réaction, boum! Et celui qui a pris le temps en main, pour lui, l'univers tout entier a la douceur de la compassion. Une fois que vous êtes arrivé ici en tant qu'être humain, la vie c'est un peu compliqué. Si vous étiez arrivé ici comme n'importe quelle autre créature sur cette planète, estomac plein, la vie est réglée. Une fois que vous arrivez ici en tant qu'être humain, estomac vide, un seul problème. Estomac plein, sans problème. Donc ce qu'on appelle la vie, ici, est juste une certaine combinaison de temps et d'énergie. Ce combo de temps et d'énergie, malheureusement, la plupart des gens n'apprennent jamais à le gérer sans heurts et de façon merveilleuse. Accro après accro, tout est un problème. Si vous êtes un bébé, vous avez des problèmes de couche. Si vous devenez un adolescent, vous avez des problèmes d'hormones. Si vous atteignez la force de l'âge, il y a une crise. La vieillesse est horrible. Chaque phase de la vie est vue comme un certain type de problème. Bien sûr, la mort est un grave problème. Donc cette combinaison de temps et d'énergie, nous devons comprendre la nature de ce que l'on manie. Le temps, de par sa propre nature, est tel que vous faites quelque chose, il passe. Vous ne faites rien, il passe. Vous n'avez pas à le pousser, je veux dire. Allô? Vous êtes assis ici, il passe. Vous faites plein de choses, il passe. Vous ne faites rien, il passe. Vous êtes réveillé, il passe. Vous êtes endormi, il passe. Mais sans avoir la maîtrise du temps, personne ne peut déterminer la nature de sa destinée dans sa vie. Comment saisir le temps? Les gens parlent de gestion du temps. Avez-vous déjà géré le temps? Pendant que vous êtes assis ici, il fait tic-tac. Et ce n'est pas l'horloge qui fait tic-tac. Ce qui fait tic-tac, c'est notre vie elle-même. Allô? Depuis que je suis arrivé, vous vous êtes rapproché de 2 minutes de votre tombe. Oui, c'est le cas, moi aussi. Ceci est la nature du temps. Quoi que vous fassiez, ne fassiez pas. Faites tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le rembobiner, il ne fait qu'aller de l'avant. C'est juste que si vous êtes heureux, il semble passer très vite. Si vous êtes malheureux, il passe très lentement pour vous. L'avez-vous remarqué? Un certain jour, vous êtes très heureux, 24 heures, fouf! Maintenant, vous êtes déprimé, 24 heures vous semble être une éternité. Oui ou non? Donc, seuls les gens malheureux ont une longue vie. Si vous êtes une personne joyeuse, c'est une vie brève. Si vous êtes une personne extatique, c'est juste un instant. Pouf, c'est fini, avant que vous ne compreniez ce qui se passe. La vie est passée si vite que même mon corps n'a pas réalisé que le temps a passé. Et il est encore... Je n'ai pas réalisé que le temps a passé. C'est la 30e année d'Isha. Le 30e anniversaire de la fondation Isha. Et je n'arrive pas à y croire. 30 ans, ils sont comme 3 jours dans mon expérience. Et dans ces 3 jours, ou 30 ans, mes horaires sont... Singapour, ce sont des vacances pour moi. Je viens juste jouer au golf et... Autrement, j'ai des horaires de fou, d'accord? Chaque jour,
20 heures minimum, on est actif. Je n'ai jamais raté un seul avion jusqu'à maintenant. Dans la même journée, parfois, j'ai été dans 6 aéroports, mais je n'ai jamais raté un avion, et jamais manqué un rendez-vous. Je n'ai jamais été en retard à un rendez-vous en 30 ans. Mais je ne gère pas le temps, je me gère moi. Le temps, comment le gérer? C'est une chose trop grande pour la gérer, ce n'est pas entre vos mains. Que ça vous plaise ou non, il passe, n'est-ce pas? Oui. Si vous êtes assis ici, il passe. Si vous sautez ici et là, il va passer. Faites ce que vous voulez, il va passer, n'est-ce pas? Mais ce que vous pouvez faire avec vous-même, cela, vous pouvez le gérer. Il n'y a rien à faire avec le temps. Donc, gestion de soi. Pas gestion du temps. Il y a quelques jours seulement, j'arrive d'Inde en avion. Normalement, ça prenait 13h30, 14h. Mais maintenant, il y a des problèmes. Et le Pakistan n'autorise pas les avions à survoler son espace aérien. Donc ça prend 16 heures. Comme je connais tous les pilotes et que j'ai moi-même un brevet de pilote, ils me laissent m'asseoir dans le cockpit et je m'intéresse à ce qui s'y passe. Donc je leur parle et ils disent, « Sadhguru, je dis 14 heures, n'est-ce pas ?» Ils disent, « Non, Sadhguru, 16 heures, c'est tellement long. » Alors je dis, « Voyez, je ne vais pas me plaindre. » Parce qu'il y a seulement un siècle, si je devais aller aux États-Unis, c'était 60 jours. 16 heures, je ne vais pas me plaindre, ça me va. Je vais m'asseoir, m'allonger, lire quelque chose, faire quelque chose, ou vous parler. Mais je ne me plains pas de 16 heures. Comment 60 jours sont-ils devenus 16 heures? Simplement parce que, d'un moteur à vapeur haletant à un moteur à réaction, allô? Soudain, 60 jours sont devenus 16 heures. Donc la seule façon dont vous pouvez prendre le temps en main est de maîtriser vos énergies, la façon dont elles fonctionnent. Si vous fonctionnez comme un moteur à vapeur, c'est très long. Si vous fonctionnez comme un moteur à réaction, boum! En ce moment, ils disent que les Chinois ont développé un avion qui peut faire Pékin-New York en 2 heures. Ils disent que d'ici 2028, il sera prêt à être commercialisé. 2 heures. Donc, cela n'est pas maîtriser le temps, mais en conséquence, c'est maîtriser le temps. Si ce que quelqu'un fait en 10 ans, si vous pouvez le faire en 1 an, si vous vivez tous les deux pendant 100 ans, en termes d'impact et de profondeur d'expérience, vous avez vécu pendant 1000 ans. Allô? C'est la seule façon de prendre le temps en main. Et celui qui a pris le temps en main, pour lui, l'univers tout entier a la douceur de la compassion. Ce sera son expérience de la vie, une fois qu'il a pris le temps en main.